Le président angolais João Lourenço a dirigé lundi une cérémonie d'hommage à l'ancien président José Eduardo dos Santos, décédé vendredi dernier dans une clinique de Barcelone, marquant le début des cérémonies officielles d'adieu dans le pays. João Lourenço et les responsables du gouvernement ont ouvert un livre de condoléances pour honorer la mémoire du défunt président. Nous avons travaillé ensemble jusqu'à atteindre la paix dans le pays. Puis nous avons commencé la réconciliation nationale. L'unité nationale a été établie. Il a commencé la reconstruction de notre pays. Ce sont des moments remarquables et inoubliables. La cérémonie s'est déroulée sur la place de la République de Luanda, près du mémorial Agostinho Neto, le premier président angolais. En l'absence de corps à pleurer, la mémoire de José Eduardo dos Santos était présente à travers une photographie grandeur nature ornée de fleurs. J'ai un sentiment de gratitude et de compromis. Nous devons honorer sa mémoire en servant pour le bien de son peuple. Alors que les négociations sur le transfert du corps se poursuivent en Espagne, samedi, un tribunal de permanence de Barcelone a autorisé l'autopsie de l'ancien président à la demande de Chisé dos Santos, sa fille.